T'as vu que c'était bientôt le 17 mai? Mmh. T'es au courant qu'on n'a rien préparé. L'an dernier, on n'avait rien fait non plus. Hein. Pourquoi? T'avais une idée pour cette année? Je trouve ça un peu tard. Hein. Bah, on pourrait tout simplement parler des LGBT-phobies. Hein. Et genre donner des définitions? Ça risque d'être un peu chiant. Hein. Depuis quand tu rechignes à donner des définitions chiantes? Uh -huh. Laisse-moi faire. J'ai une idée. Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Prince à l'occasion du 17 mai, euh, aussi connu sous le nom de Idao, Ida IdaBlot, International Day Against Homophobia à la base, soit la journée internationale de lutte contre l'homophobie, créée en 2004. Puis on a ajouté le T pour transphobie en 2009 et enfin le B de biphobie en 2015. Pour la petite histoire, le 17 mai a été choisi pour commémorer le retrait de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la classification internationale des maladies publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Tout ça, euh, le 17 mai 1990. Ouais, c'est récent. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous faire un historique du 17 mai. Cette journée est surtout l'occasion rêvée pour aborder un sujet très important les LGBT-phobies, que nous allons définir et leur croisement avec d'autres discriminations et oppressions, et de ce que ça implique d'un point de vue individuel pour les personnes et d'un point de vue social et politique. Petite définition. Commençons avec le premier terme homophobie. Sur le site d'SOS Homophobie, on peut trouver la définition suivante. L'homophobie désigne les représentations de mépris, de rejet et de haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. Vous noterez tout de suite qu'il ne s'agit pas, comme on pourrait penser, de la peur des homosexuels. Ce n'est pas parce qu'on a une terminaison en phobie qu'on est sur le même créneau que la peur des araignées et des oiseaux. On notera également la précision ou supposée l'être qui est très importante. Si j'embrasse mon copain dans la rue et que je me fais insulter par un mec random, je suis victime d'homophobie même si je suis bi. Mon agresseur ne le sait pas et va supposer mon orientation, là en l'occurrence, en fonction de la personne avec qui je suis, mais il pourrait également le faire en fonction de ma manière de m'habiller, ma manière de me comporter, ma gestuelle, des choses comme ça. De la même manière, la biphobie va toucher spécifiquement les personnes et représentations bi ou supposées l'être. Sur le papier, ça semble assez proche de l'homophobie. Mais en fait, c'est très spécifique. Tu vas finir par te décider. Je sortirai jamais avec toi. J'ai trop peur que tu me trompes. Ah, en fait, t'es une salope qui couche à droite à gauche. Lol, la bisexualité, ça existe pas. En fait, t'es homo. Plus les violences physiques ou morales, le harcèlement. On a vu émerger le terme lesbophobie pour décrire plus spécifiquement l'oppression à l'égard des lesbiennes ou supposées l'être. C'est une combinaison d'homophobie et de sexisme. Vous voyez. Ça commence déjà à se croiser. Pour finir, le terme transphobie est utilisé pour décrire l'oppression, les discriminations, les violences et le rejet dont sont victimes les personnes trans ou supposées l'être. Pour rester dans le vocabulaire LGBT ⁇ on pourra citer la gayphobie. La panphobie envers les personnes pansexuelles ou supposées l'être, l'enbiphobie envers les personnes non-binaires, l'icephobie envers les personnes asexuelles, etc. Tous ces mots sont très utiles pour décrire les situations de mépris, de rejet, de haine et de violence dont peuvent être victimes les personnes aux orientations sexuelles, romantiques ou identité de genre considérées comme en dehors de la norme. La norme hétérosexuelle et cisgenre. Vous vous demandez sans doute, mais quelles sont ces situations C'est peut-être un peu flou pour le moment. On y vient. Les actes LGBT phobes. Les actes LGBT phobes, lesbophobes, gayphobes, biphobes, transphobes, vous commencez à comprendre, peuvent être de plusieurs natures. Nous allons présenter une petite liste, non exhaustive, bien évidemment. Ça peut commencer avec des regards dans la rue, à l'école, au travail, dans les transports, dans les magasins, les insultes, les violences verbales, le harcèlement, qu'il soit IRL ou sur internet, les menaces, le rejet de la famille, des amis, de la société en général, la discrimination à l'embauche lors de l'obtention d'un logement, euh, la discrimination à l'accès à un espace comme une boîte, un magasin, les agressions physiques, les agressions sexuelles, les viols. On peut distinguer les viols correctifs, où l'agresseur pense remettre la victime dans le droit chemin en la violant, et les viols punitifs. Pas besoin de rentrer dans les détails. La déportation, le meurtre. Tous ces actes à caractère discriminatoire appartiennent et entretiennent un système oppressif où certaines catégories de personnes, ici les personnes LGBT, sont considérées comme inférieures, comme ayant moins de valeur, comme en dehors d'une norme. On parle alors d'oppression systémique du système. Car ce n'est pas le seul fait d'un individu ou même d'un groupe d'individus, c'est le résultat d'une société tout entière et de plusieurs siècles d'histoire. Attention ça ne veut pas dire que les agresseurs et agresseuses ne sont pas responsables. On dit seulement que les actes LGBT-phobes font partie intégrante d'un système. Tous ces actes ont des conséquences directes, indirectes, à plus ou moins long terme, sur les victimes. La peur des autres, la peur de l'extérieur. Une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Le refoulement, une homophobie, biphobie, transphobie intériorisée qui peut mener au rejet et à la haine de soi. Dans les cas où tout ceci va se dérouler à l'école, la victime peut se retrouver en situation d'échec scolaire. Cette personne peut se retrouver isolée. Les risques de dépression sont plus importants. Il en va de même pour les addictions, alcool, drogue. La dévalorisation de soi, le peu d'estime de soi peut également mener à des comportements sexuels à risque. La précarisation est également très importante, notamment lorsque l'accès à l'éducation et l'accès à l'emploi est bloqué. En moyenne, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans se suicident ou tentent de se suicider quatre fois plus que le reste de la population. Et ce chiffre s'envole si on se centre sur la population trans. Et comme si ça ne suffisait pas, et c'est là où on voulait en venir depuis le début, il n'y a pas que les LGBT-phobies qui touchent les personnes lesbiennes, gays, bi et ou trans. Sexisme, racisme, validisme antisémitisme, islamophobie, xénophobie, psychophobie, pour ne citer que. Parce que spoiler, il y a des mecs gays noirs, des femmes lesbiennes handicapées, des bisexuels musulmans, des personnes trans autistes, et j'en passe. De la même manière qu'il y a des personnes juives qui utilisent un fauteuil, ou des femmes racisées, musulmanes, et bipolaires. Toutes ces discriminations, ces oppressions sont susceptibles de se croiser créant ainsi des situations spécifiques. Et s'il est important de ne pas établir de hiérarchisation au sein des oppressions, il n'en demeure pas moins que le rejet, le mépris, la haine et surtout les conséquences pour les personnes peuvent être plus ou moins importantes, notamment en fonction de s'il y a cumul, croisement de plusieurs discriminations. Attention ces situations spécifiques ne doivent pas pour autant être considérées comme des exceptions. Par exemple, la lesbophobie, ce n'est pas par défaut celle à l'encontre des femmes lesbiennes cis, valides et blanches. La lesbophobie, c'est aussi celle subie par les femmes lesbiennes qui peuvent être racisées, handicapées, sans papier, trans. Lutter contre la lesbophobie, pour garder cet exemple, c'est aussi lutter contre le sexisme. Le racisme et toutes les oppressions dont peuvent être victimes les populations lesbiennes. Ces croisements de discrimination, ces cumuls, vous l'avez compris, rendent la vie des personnes d'autant plus difficile. Et comme si ça ne suffisait pas. Malheureusement, être gay n'empêche pas de tenir des propos racistes être trans n'empêche pas d'avoir un comportement validiste. Etc. Et nous avons vu que le système oppressif était suffisamment vicieux pour qu'il soit intériorisé par les personnes concernées. On se retrouve donc avec des femmes sexistes, des mecs gays homophobes, des personnes trans transphobes, bref, vous avez compris l'idée. Et c'est là que le combat contre les LGBT phobies, puisqu'on parle du 17 mai, mais également contre toutes ces discriminations, devient extrêmement compliqué. Les discriminations au sein même des communautés LGBT et plus largement au sein des groupes militants luttant pour l'égalité. Existe. Résultat, il faut déconstruire toutes les idées reçues, tous les comportements sociaux, les habitudes, tout ça en même temps. Sinon, on se retrouve à laisser une partie du groupe sur le carreau. Se battre pour les droits d'un groupe ne veut pas dire en écraser un autre à côté pour se hisser. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Lorsque les femmes blanches laissent sur les bas-côtés les femmes racisées pour acquérir leurs droits, ou que les gays et les lesbiennes oublient de soutenir leurs camarades trans. Après avoir dressé ce tableau plutôt peu glorieux, nous aimerions terminer sur une touche un peu positive avec quelques conseils. Il est crucial de donner une place aux minorités, en particulier celles situées à l'intersection des discriminations comme on a vu, que ce soit au sein des groupes militants, dans les groupes de parole, dans les conférences, dans les médias, tout ce que vous voulez. Et il faut tenter au maximum de penser les luttes en prenant en compte toutes les problématiques. Et la non-mixité je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait dessus, est un outil très important à ne pas négliger tant qu'il existe des rapports de domination au sein des groupes militants. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous militez ou que vous soutenez une cause, par exemple la lutte contre les LGBT-phobies, que vous avez automatiquement la science infuse sur d'autres questions, comme le validisme, le racisme, etc. Il est très important de pouvoir se remettre en question, d'admettre qu'on a tort et surtout de s'excuser si on a fait une connerie. Je nous souhaite bon courage parce que c'est pas gagné. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite très fortement à la partager sur les réseaux sociaux parce que c'est le 17 mai et que c'est l'occasion ou jamais d'en parler. Merci d'avance à ceux et celles qui laisseront un pouce vers le haut, qui laisseront des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en partant et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.